Ils ont évité la prison réclamée par la procureure. Hier soir, 3 des 4 prévenus sont ressortis libres du tribunal correctionnel de Bastia. Serge Diane a été déclaré innocent des faits qui lui étaient reprochés. Ismaël Lyon et Dylan Delru ont été condamnés, eux, à 6 mois de prison avec sursis. Tous les 3 étaient suspectés d'avoir participé à des violences et des dégradations en marge de la manifestation des Gilets jaunes samedi dernier à Bastia. La décision judiciaire est bien plus clémente que celle attendue par l'accusation et la défense s'est dite satisfaite du jugement. Le procureur n'avait pas assez pris en compte la personnalité des uns et des autres et les faits qui étaient réellement reprochés. Je pense que le tribunal a fait la part des choses et mes clients peuvent rentrer chez eux ce soir, ils sont satisfaits. Le seul à avoir dormi en prison hier est Stéphane Lalanne, condamné à 2 ans ferme pour avoir frappé et blessé à la jambe ce policier. Une décision trop sévère de l'avis de son avocate. Il est regrettable qu'ils aient retenu la qualification de violence volontaire alors qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments dans le dossier. C'est une peine lourde. On s'interroge à savoir si on va faire appel ou pas. 2 autres prévenus devaient comparaître devant le tribunal. L'un d'eux a obtenu un report de son procès. Le second a tenté de se suicider juste avant l'audience. Ses jours ne sont pas en danger, mais il a dû être conduit aux urgences et sera jugé plus tard. Un mineur de 14 ans, également poursuivi, comparaîtra lui devant un tribunal pour enfants.